Allez, normalement c'est reparti les amis. Logiquement. Ouais, c'est bon, c'est reparti. Je sais pas pourquoi j'ai la cam vraiment qui... Je sais pas pourquoi elle fait que de bugger, c'est insupportable. C'est trop chiant. Le don qui t'en vient pas. Non, vous êtes pas gentils les mecs. Mince, faut acheter une webcam, faites vos dons. Non mais j'avoue, franchement les mecs, faudra faire des dons en vrai. Non mais je sais pas, en fait la webcam, genre elle me fait full bugger tous mes périphériques. Je sais pas pourquoi, c'est trop chiant. Je sais pas en fait c'est le logiciel ou si c'est la webcam. Mais ça m'avait déjà fait ça justement en live précédent, c'est trop chiant. Est-ce que le son est bon pour vous les amis? Mais normalement je pense que oui. Je pense que oui. Ouais, c'est tout bon, c'est revenu les mecs. Mais en fait, ouais, je pense, je sais pas si c'est ma webcam vraiment qui commence à vraiment faire de la merde, ou si c'est le logiciel qui fait de la merde tout court en fait. Genre, je sais pas, j'arrive pas à savoir ça en fait. Vraiment, j'arrive pas du tout à savoir ça. Et c'est un peu chiant parce que du coup, bah ouais, genre, je sais pas, ça fait planter tous mes périphériques. Et je sais pas. Ouais, j'avoue, comme dit Gab, bah ouais, les mecs, allez-y, faites des dons un peu là. Vous voulez acheter une webcam? Faites péter les dons, les mecs. Faites péter les dons, mec. On est pas en dessous de 100 balles, hein, les mecs. Sinon, je peux pas racheter. Hein. Sinon, ça marche pas. Hein. Quel dommage de devoir faire des dons. Mais ouais, mec, c'est triste, hein. Ah, dommage. Hein. Dommage, dommage, dommage pour moi. Hein. Dommage, dommage. Ok, lui, je vais essayer de le faire hein, tranquille. Mal. Ok, une petite Under Perm, ça c'est bon. C'est pour l'Honneur Dragon, par contre, il fait vraiment trop mal. Avant, on est niveau 23, on a 5, on a quoi? On a 4 pièces d'armure, donc on va retirer 4 x 2, 8. 8 levels, ça va faire 15. 15, ça sera pas assez, il faudrait passer niveau 25 en vrai, je pense, pour qu'on soit bien. Niveau enchant. Le portail doit être par là, je crois, ouais. Non, évidemment, je sais plus du tout où il est ce portail, il doit être un peu plus haut. Là, il y a encore 2-3 minerais. Et là, ce portail, parfait. C'est bon, le stream remarche ou faut encore faire des dons? Non, 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 mec, faut encore refaire des dons, ce que je disais en fait. Là, genre, les dons, mec, c'est 100 balles minimum. En dessous, sinon, c'est mort, tu vois. C'est que 100 balles, en fait. C'est des CB claqués à 100 balles, sinon, c'est nul. Sinon, ça ne marche pas. C'est triste, hein, mais c'est comme ça, les mecs. 100 balles ou R, les mecs. 100 balles ou rien. Franchement, merci le quartz, on est vraiment pas mal. Ça nous a mis vraiment bien. Ok, un autre Enderman ici. Ouh, plusieurs Enderman, on va essayer d'en faire pas mal. Avoir le maximum d'honneur perles. Les entrées c'est gratuit mais on recommande de faire un don minimum de 50 euros par personne pour vous consommer sur 3 jours.
putain. Ces escrocs au Bora. Si un jour les mecs vous allez au Cap d'Agde, ben n'allez jamais au Bora Beach. Ça, je crois que ça s'appelle. N'y allez jamais les mecs. C'est des escrocs. Alors après, si vous êtes un groupe de meufs, évidemment, on peut y aller partout. Mais un groupe de mecs, tu te fais escroquer en fait. Vraiment, tu te fais escroquer. Vraiment, j'annonce. Hein. Même si un jour ils me disent, viens, on fait une sponso. Non. Juste non. Pas de meuf ici, de toute façon, bah voilà, bah du coup elle est jamais là-bas les mecs. Vraiment. Déconseillé. Vous en avez pour votre argent. Pas du tout. En vrai, on a 7 under perle, on en a je crois 3 ou 4, on en a 5 dans le coffre, on en a 12. C'est très bien je crois pour les yeux de l'end. Je crois qu'il faudrait genre une quinzaine, donc genre 2-3 en plus. Vous essayez de trouver 2-3 underman, mais je trouve que ça va aller. C'est assez rapide en plus vraiment pour les trouver. On a les 25 levels, on est très bien. Faudrait juste qu'on trouve. Ouais, on a encore un petit en bas là. On va essayer d'aller se le faire sans trop prendre de risques. Même si j'adore le risque. Faut qu'on fasse gaffe. Ok, il est où? Il est là. Ah, c'est un petit plafond. C'est ça, Gab. Ok, on a une petite plateforme justement pour le faire, lui. Wow, comment il fait trop mal. Ok, 9 émeraudes. Salut Dark, comment ça va Dark? Comment ça va? Ok, 11 d'underpearl, franchement ça suffit. On va peut-être juste en se faire un petit dernier pour vraiment être... tranquille, mais tranquille de chez tranquille. Et je pense que on sera bien. Viens par là toi, voilà. Tranquille et toi, bah écoute, nickel, enfin nickel et toi, nickel, nickel mec hein. Tranquille ou bilou, Sedan est maintenu, 46 points, c'est parfait. Objectif 6ème place. Et le maintien sportif sera assuré. Après il y aura le maintien financier de l'envoi la DNCG à la fin de l'année, mais en intersaison. Mais bon, logiquement à croiser les doigts. Quoi de neuf sinon? J'ai mis en tweet de... Attends, j'ai mis en tweet de Twitter d'en discuter. Mais vraiment les coms de Twitter c'est une masterclass. Ah oui, t'as mis un tweet de Twitter, ok. On doit être pas mal aussi. Ouais, je crois à ce que j'ai vu hein. Ce que j'ai vu, vous êtes bien. Vous êtes bien. Juste nous là on commence à avoir un peu peur parce que ça commence à fuiter un peu, que on est un peu juste financièrement, genre vraiment problème financier clairement pour être périn en national. Donc si on est, ça m'étonnerait, mais bon, j'espère qu'il n'y a pas de relégation administrative, genre relégation par la DNCG, parce que sinon ce serait insultant. Mais surtout ce qui me fait peur, moi, c'est le recrutement à la fin de l'année. Si on n'a encore pas de thunes, on ne recrute pas, ça va être encore un carnage pour l'année prochaine. Bon, enfin bon, on va parler d'autre chose, on va croiser les doigts. Ok, on a 16 under, oui, même, on a 2, on a 18 under perles, on est très très bien, maintenant il manque juste du coup la forteresse, et puis bah du coup, bah l'enchantement en fait, de l'armure. Et on va enchanter du coup, un bon bout maintenant. La descente en N3, non, tu peux pas redescendre en N3 juste pour un problème de thunes, c'est juste une descente en N2, mais bon, la descente en N2 elle fait mal, hein, parce que t'as que le premier qui monte comme d'habitude, donc, non, c'est pas possible. Mais franchement, ça me fout le seum, là, cette histoire de DNCG, genre surtout sur des championnats amateurs. En fait, y a pas à faire ça, en fait. Enfin, je trouve que c'est dégueulasse. Putain, les enchantements pourraves qu'on a sur l'armure, nous, c'est carnage.
Pourquoi il pleut? Ah oui, merde, putain, j'ai encore pas bouché cet endroit. Je me dis, pourquoi il pleut dans la maison? Ok, donc là, donc P2. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des protections 1 ou pas? Non, par contre, genre, j'ai une chute amortie 2. Ça, c'est très bien. On va aller la mettre tout de suite. J'ai un protection 2 qu'on va les mettre également tout de suite. Ok, c'est pas mal, on a déjà du P3 sur les jambières, c'est cool. C'est cool, c'est cool. J'ai combien de diamants? Moi j'en ai 26, on va pas les utiliser maintenant. On fera des livres protection. De toute façon, j'ai rien d'autre. Non, c'est pas trop ce que je voulais. Franchement, il y a R hein, sur ça. Hein. C'est dingue. Hein. Pff, ouais, c'est tombé. Les enchantements pour Aft. Hein. Ok. Donc ça, du coup, ça, c'est bon. Quel était le deuxième point justement que je voulais faire? Donc ça, il y avait déjà l'armure, enfin une partie de l'armure, donc ça c'est en cours on va dire. Maintenant on va retourner un petit peu. On va retourner un petit peu au niveau des champs, voir si ça a poussé un peu. On va aller voir si ça a poussé un peu. Donne-moi des os pour la poudre d'os. Ok, mouton, on est tranquille. Franchement, les moutons, ça sert à chier. Le blé, putain, ça sert à rien pousser, c'est dingue ça. Ouais, mais en même temps, on cherche pas du tout les chunks en fait. Ça, c'est un problème, vu qu'on n'est pas à côté. Bah, du coup, ça cherche pas les chunks, c'est trop chiant. Merde. Et du coup, bah, pour aller faire nos trades, nos échanges, c'est vraiment de la merde. Je sais plus du tout, c'était combien, je crois que c'était 30. Je sais plus du tout comment il échangeait le PNJ au village. Il va nous manquer du coup une citrouille. Est-ce qu'on peut pas aller faire 2-3 squelettes un peu? Mais je pense de toute façon ils sont pas... Ouais, c'est encore la journée donc c'est mort. On est jour combien dans le jeu hein? On est jour, jour 83, on n'a pas fait grand chose. Hein. On est jour 83. On passe vraiment beaucoup de temps à faire le stuff, mais bon, une fois que le stuff sera fait, on sera très très bien après. C'est l'armure qui pue vraiment la merde par contre, mais... Pas grave ça. Si on peut essayer par exemple d'aller par là et justement de récupérer un maximum de canne à sucre. Parce que du coup c'est pareil, ça faisait partie des choses que les villageois acceptaient. Les côtelettes aussi, il nous en fallait pour pouvoir en vendre, pour avoir une émeraude aux villageois. Ouais, 7 de côtelettes, je crois que c'était bon. Parce qu'en fait, ouais, là, clairement, l'objectif, c'est au moins de valider le mending, quoi. T'as quoi comme villageois, du coup? Je peux juste être en train de lire les divertissements de Pepsi. Bah, du coup, là, je suis sur la survie solo, pour rappel. Et en gros... en gros, j'ai... j'ai un libraire avec du mending. Le problème, c'est que c'est trop cher. J'ai du coup bah, toujours le chômeur là, qui veut pas bosser. Et j'en ai un autre, je crois c'est un forgeron. Mais lui, je vais juste m'en servir pour pouvoir avoir bah, du coup de PNJ pour qu'il s'accouple. Pour qu'on en ait d'autres. Le seul truc, c'est qu'avant de lancer la reproduction, je veux vraiment que bah, du coup le villageois mending
soit validé. Pour ça, faut que je fasse un trade, faut que je fasse un échange. Mais j'ai pas du tout encore ce qu'il faut, donc c'est pour ça que je reste patient. Par contre, y a rien ici. On dit pas chômeur, on dit un CGTiste. Waouh. C'est vrai. Putain, il y a une vache ici. Ouais, flemme de la ramener. Franchement, flemme de la ramener. Je la tue pas, mais... Ouais, franchement... Ouais, il y en a une autre au-dessus. Ok. Bon, on repassera par là, du coup, pour rentrer. Ah, moi, je veux juste de la canne à sucre. Qu'il y en a un peu là-bas. On dit pas chômeur, on dit fonctionnaire. Alors ça, c'est un pléonasme, les mecs. Vous êtes méchants, les mecs. Je suis sûr, des fonctionnaires parmi nous. Et ils sont bien. On dit pas chômeur, on dit streamer sur Twitch. Ou youtubeur, hein, c'est pas rien. C'est le même synonyme, ça veut dire la même chose. Là, par contre, ça, je suis d'accord. Putain, bon, le jeu commence vraiment à ramouiller. Il n'y a pas une canne à sucre, quoi. C'est incroyable. R, j'ai même pas envie de le prendre, le truc ici. Bon, est-ce qu'on dirait pas de quoi allumer un portail là? Non. Pas du tout. Ok, bon, bah, on va rentrer. Hein. Après, si j'arrive du coup à ramener la deuxième vache, ce serait cool. On a du blé sur nous ou pas? Ouais, nickel. Donc ce serait très bien, et puis bah là du coup on va essayer vraiment d'abattre 2-3 squelettes pour avoir un petit peu d'os. Est-ce qu'on peut te considérer comme un intermittent de spectacle ou c'est pire que chômeur ce statut? Intermittent de spectacle, c'est vrai que ça c'est quand même... Ça je pense, c'est vrai que t'es quand même pas loin, tu vois, dans le synonyme du chômeur, tu vois. Genre c'est quand t'es chômeur mais t'assumes pas, en fait, tu dis que t'es intermittent du spectacle. Tu vois, genre tu fais, t'es artiste mais ça marche pas, tu vois, c'est... Après je parle, hein, mais... Je suis youtubeur mais ça marche pas non plus, hein. Allez, viens par là, la vache. Je vais essayer de te ramener. Et là, il diste, c'est pareil. Ouais, c'est un peu ça. Je pense que c'est clairement ça, ouais. Allez, viens par là, on va essayer de te faire grimper la colline. Ah, mais non, mais ça va être impossible. En fait, on est tout au-dessus, en fait. Ça va être Tandax, à mon avis. Hein. Ça va être Tandax. Oh, quoi que. Je pense que... Ah mais vas-y, mais on perd l'aggro. Ça sur la Java Edition, c'est trop chiant quand ça fait perdre l'aggro comme ça, c'est insupportable. Allez, bah ton avis. Bouffon, va passer par là. Eh mais en fait, je pense que oui. Forcément, ça marche pas si je l'aide pas. Allez, viens par là. Traverse par là. On va créer un vocabulaire de la commu, je vous.
premier mot c'est plus la puce. Ça veut celui-là mec, c'est obligatoire, celui-là il est déjà dans le dictionnaire de la commu en fait. Ok, on n'est pas loin en vrai, non? J'espère juste que je l'ai bien fait grimper sur la bonne montagne. Deuxième mot, c'est un synonyme de slidiste. Putain. Ouais, je pense qu'on est sur la bonne montagne. Oh, franchement, si on arrive à chatter de fou, à avoir justement cette deuxième vache, ce serait vraiment, vraiment, vraiment top. Ok, attention, creeper. Il nous suit encore, lui. Ok. Nickel. Plus la piste, c'est les plus... C'est les plus... PLP, c'est les plus la piste. C'est l'abréviation. Allez, putain, les moutons, barrez-vous. Je m'en branle des moutons. Il a perdu la vache. La CG dead. excusez-moi, j'étais vraiment à fond dans le bordel là. Ok, ça va, ils sont là-bas les champs. Faut juste maintenant qu'on esquive les 2-3 creepers qui se vont sur le terrain. J'avoue, il abuse. J'avoue, je force les mecs un peu. Ok, franchement les creepers, je vais même pas les fight, je m'en fous complètement. Là je veux juste amener la vache. J'espère que ta vache meurt exposée par un creeper. Alors ça c'est quand même pas très gentil mec. Oui, une armée derrière, c'est un carnage. Ok. On est quasiment au bout. On l'a ramené de 1000 ans, 1000 km la vache, on l'a ramené. C'est pas gentil, mais ça me ferait bien rire. Ouais. Bah, moi non, mec. Ok, parfait. C'est bon. Bon, maintenant. Merde, merde. Maintenant, on va faire de la place. On va juste garder un seul âne. Et c'est tout. Oh, j'ai l'idée, vas-y. Pas la tuer la vache parce que sinon j'aurais bien le seum. Attendez, je vais déjà la faire se reproduire. Voilà. Parfait. Venez, on fait une ZAD sur le serveur multi. C'est quoi une ZAD? Ok. Bon du coup j'ai pas ramené beaucoup trop de... J'ai pas ramené ce que je voulais, mais enfin de canne à sucre, mais bon on a eu du coup les deux vaches donc c'est cool. Wesh, comment ça vous connaissez pas les ZAD? Bah non mec. C'est quoi une ZAD mec? Squelette sans crever. Oh, il fait trop mal lui. Il m'a juste pété mon armure. Explique ce que c'est.
On a eu un arc enchanté. Puissance 1, bon, toujours mieux. C'est toujours mieux que rien. Ok, vas-y, je suis chaud, mec, viens, on fait ça. Viens, mec, viens, je suis chaud, viens, on fait une ZAD. Ok, on a un petit peu d'os, ça c'est pas mal. Pourquoi Dodo est pas là? Il aurait direct su ce que c'était. Je sais pas du tout où il est, Dodo. Bon, pas d'autres squelettes. Alors maintenant, le seul truc qui est chiant, c'est que du coup, ça fait spawn plein de mobs. Donc ça, forcément, c'est moins fun. Waouh, regardez-le. Ok, on a quoi? On a 12 squelettes. Enfin, 12 os, pardon. Je suis là, mais j'écoute à moitié. Ah, il est là, le dodo. Il est là. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, flash. Ce sera mis de toute façon en rediffusion sur YouTube, donc vas-y, vas-y. Moi, notre ZAD dans la ZC, on fait pousser des champs pour vivre. Ok. Je suis là, mais je suis sur TikTok. J'allais dire, il fait dodo, MDR, trop drôle ce mec. T'es sur Twitter. Oh les mecs, vous avez été voir Fast and Furious 10 ou pas? Il est bien. C'est pour ceux qui sont allés le voir. Je pense que c'est pas du tout le genre de film que vous allez trop voir, mais... En fait, j'ai juste à faire comme le 9 et le attendre de le regarder sur l'IPTV et ne pas payer une place à 13,50€ pour aller voir un film de merde. J'ai toujours bien aimé les Fast and Furious. Ok, il nous manque juste une citrouille. Ça, je vais aller. Tac, tout replanté. Voilà, sur tout le long, comme ça, ces cannes à sucre sont pas mal. Ici, il va juste falloir, par exemple, bien attendre que tout pousse. On va essayer vraiment de raménager un petit peu l'échange. Ça fera peut-être l'objet, justement, d'un prochain épisode. Enfin, du prochain épisode qui sortira, du coup, sur YouTube. Pas fait en live, évidemment, mais sur YouTube. Ça fera peut-être justement l'objet du prochain épisode qu'on fera. Ouais, je pense que ça pourrait être pas mal. D'ailleurs, du coup, donc cet épisode-là, enfin, en tout cas, le live là qu'on fait, du coup, je vais faire le montage, entre guillemets, c'est-à-dire que je vais justement... je vais justement aller le publier, du coup, sur YouTube. Donc, juste faire les cuts de l'attente et je join, du coup, les deux parties de stream. Et comme ça, ce sera, du coup, l'épisode 27, enfin, ou l'épisode 28, je sais plus. Vu que vous m'avez dit que vous aimeriez bien voir de temps en temps un petit peu des lives au-dessus, ben forcément du coup ce sera un petit peu justement voilà ben, l'objet là-dessus quoi. Coucou YouTube, on est gentil, on adore les joueurs de la Bedrock, PDDR, c'est faux, restez chez vous, on vous aime pas.
Bah après du coup faire des cuts, je vais pas faire des cuts genre sur le stream. Putain mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Je vais pas faire des cuts sur le stream en lui-même. Parce que du coup bah un coup on me dit non cut pas, un coup on me dit non cut. Mais par contre non en soi je vais faire un cut bah oui au niveau des débuts etc quoi. Pitié cut pas ce message. Non non t'inquiète mec ça sera pas cut ça. Ce sera redit et amplifié mec. Ok nickel, bon parfait, on a eu 4 émeraudes. Franchement en vrai il ne doit plus nous en manquer des masses au niveau des émeraudes. Enfin si en fait on est à juste à 22 plus 4 donc on doit être à 26 je pense. Je vais te faire strike, mais strike pourquoi mec, je vais me faire strike. Pour avoir dit la vérité. Pour avoir dit la vérité sur la bedrock. Pour avoir dit que la Medrock c'est de la merde et que c'est pas c'est la fausse version du jeu, que c'est l'ancienne version Pocket Edition, que c'est l'ancienne version console, que c'est l'ancienne version Windows 10. Je viens de voir sa blague vraiment nulle à la limite du ban. Non mais. Tout ce qui est dit sur le stream, les mecs, c'est pour rire. Hein. C'est pour rire, les mecs. Hein. J'ai une idée de génie, dis en live que tu préfères la bedrock. Attends, que ceux qui préfèrent la bedrock doivent commenter leur rediff avec un emoji. Merde, ok, vas-y, tu sais quoi, je vais le dire au début. Vas-y, en vrai, ça peut être bien. Bon, franchement, je suis content en tout cas de ce qu'on a fait. Alors, on n'a pas été jusque là où est-ce que je voulais aller. Je vais juste montrer, du coup, pour ceux qui arrivent sur le live, du coup, simplement ce que j'ai fait en fait au niveau de la maison. En contrebas, mais par contre c'est vrai que je trouve ça déjà pas mal vraiment ce qu'on a entamé. Après il reste encore beaucoup beaucoup de choses hein, à faire justement sur bah voilà sur cette survie. On est toujours là. Non, le mec il s'est reset. Le mec mending il s'est reset. Vas-y c'est trop chiant. Il a dû se barrer du bloc. Bon c'est pas grave. De toute façon je vais prendre un bon stack d'émeraudes. Et je referai le villageois mending et j'achèterai tout directement dès que je le trouve. Comme ça au moins c'est réglé, comme ça je peux pas me le faire reset. Mais c'est trop chiant. T'as pas trade avec? Mais non j'avais pas assez. C'était genre 38 émeraudes, j'avais pas assez. Donc j'ai pas pu trade avec lui. Donc non j'ai pas du tout pu trade. C'est trop chiant, vas-y. Ouais mais du coup au final tu fais le truc et pff, en fait ça sert à rien de le faire avant quoi. Bon après c'est pas grave mais. Bah du coup en fait vu que j'en ai rien à cirer du coup bah en fait du mec du libraire du coup c'est pas grave. Je vais aller poser les lits là-bas. Comme ça on va les faire se reproduire. Je voulais pas les espacer de 1 justement les lits, je sais plus. Voilà. J'avais un autre truc. Ouais bah lui du coup il a perdu sa profession donc ça c'est très bien. Il y avait juste du coup un truc que je voulais faire, c'était le. Merde. Je vais reprendre justement un comment ça s'appelle? Pour les agriculteurs là. Un compost, voilà. Comme ça, je vais transformer du coup un PNJ en agriculteur. Et comme ça, on sera bien.
C'est-à-dire, je les fais se reproduire et comme ça on est bien, on a full PNJ. Ce serait carré. Paysan de ses morts, c'est ça, je vais lui mettre un C15, un berlingue. Oh, hello Fnefi. Merci, merci pour le follow. Sois le bienvenu sur le stream. Merci beaucoup pour le follow. Mais attendez, mais c'est comment qu'on fait un... Ah mais non, c'est vrai, c'est des dalles, je suis trop con. Chaque fois, je me trompe. L'autocollant Ricard, ça c'est parfait ça. La version Bedrock, c'est comme le let's play Star Wars de Lightjid. On sait pas trop ce que ça fait là, mais ça mérite d'exister. J'avoue. Hello, hello, Fnefi. Tac, on va mettre ça là. Et voilà. Et ouais, du coup, lui, je crois en fait, il va venir automatiquement du coup chercher la profession. Par contre, du coup, j'aimerais juste qu'il se barre pas en fait. Parce que du coup, en fait, il est venu chercher la profession. Oh oui, d'ailleurs, attendez, bah lui, ils vont... Oui, il peut m'acheter ma scarotte. J'avoue, Gab. Juste acheter, du coup... Je vais aller vendre toutes les carottes, du coup, qu'on a. Comme ça, on va avoir full émeraude. Et comme ça, c'est carré. Je vous laisse bonne nuit, ben salut mon fin, merci à toi d'être passé en tout cas, enfin merci à toi d'avoir été là, pendant le live, pendant le stream. Et puis bah du coup, ou demain soir, ou mercredi soir, ou plus tard, on se retrouvera justement pour un nouveau stream. Et on sera du coup, par exemple, pour le coup, ce coup-ci sur le serveur MC. A plus bébou. On est bizarre mais on n'est pas dangereux, faut pas s'inquiéter. Non, sois le bienvenu Fnefi. Ça fait bizarre parce que ton pseudo il est en blanc sur le chat, c'est trop bizarre. Mais sois le bienvenu en tout cas. On pourrait plus de musique. Voilà. Vas-y, mais lui, il prend de la place pour de la merde. Lui, par contre, je vais le buter, lui. Lui, il prend de la place pour de la merde, voilà. Pourquoi c'est plus cher? Ah merde, parce que du coup, il doit se sentir pas en sécurité, du coup, vu que j'ai buté son pote. En même temps, son pote, il sert à rien, donc... logique. Alors ça c'est cool parce que franchement il nous a fait vraiment mascarotte lui. Ça c'est vraiment très très bien. Ah ouais. Bon ouais mais en même temps on se parie, il prenait trop de la place et tout donc Mais c'est pas grave en vrai ça va baisser. Bah avant que Twitch fasse des trucs bizarres avec les couleurs de pseudo, on pouvait le mettre en blanc, je l'ai changé à cette époque, il n'est pas changé depuis. Ah mais grave bien en vrai. Grave bien, grave bien. On parle pas de Corny. Ouais, Corny est un peu spécial. Je te rappelle, tu lui as mis une patate. Non, mais j'ai mis une patate au mec qui peut pas avoir de profession, mais qui sert à rien, là, comme ça libère des lits. Mais sinon. Sinon, j'ai pas mis de patate. Hein. Tu l'as bien carotté. Je vous. Ok, on va aller juste faire passer la nuit et on va aller. On va aller reposer 2-3 lits comme ça normalement du coup j'ai juste à donner des carottes je crois et ça coupe hein, c'est ça je crois. Si j'ai bien capté. Corny c'est un joueur sur le serveur. Corny c'est un viewer et joueur sur le serveur.
Les pommes de terre, ils prennent les villageois ou pas les mecs? Est-ce que vous savez s'ils prennent? Ah mais non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Voilà. Le paysan, il peut t'en prendre, oui. Non mais c'est pour se faire... pour refaire une reproduction en fait. Tu vois, mais pour se faire de l'argent, ça va, il vient pas sur Twitch. Ok, merci Flash. Le Barça est champion, ça y est. Ils ont fini premier de la Liga? On a que des gros capitalistes sur le serveur. Bon, maintenant on a plus qu'à aménager tout ça, mais. Je pense qu'on est bien en vrai. Voilà, maintenant je vais poser du coup tous les lits. Voilà. Bon là c'est carré, donc maintenant du coup faut que je fasse quoi les mecs pour qu'ils se reproduisent? Je crois faut que je leur donne le stack, c'est ça non? Comment je fais les mecs? Vous savez ou pas? Je suis capitaliste avec mes ressources et communiste avec les ressources des autres sur Minecraft, donc bon. Ouais, c'est un peu le principe. Le plus pratique pour la production du villageois, c'est le pain, t'as juste en donné 6. Ah, ok, bah attends, regarde. Il a fait quoi lui là-dedans? Évidemment, j'en aurais pas assez. Tu lui donnes des carottes, patates. Mais je fais quoi du coup? Je fais clic droit ou je fais. Tu leur drops les ressources, ok. Mais je donne quoi à tous les deux du coup? Genre lui je lui drop un, comme ça. Il les a pris ou pas? Il les prend pas, mec. Ou alors tu leur laisses l'accès au champ. Voilà, c'est ouvert, ils ont accès. Hein. Je fais comment en fait? Je comprends pas parce que du coup je leur drop des patates mais ils les prennent pas. Regarde. Lui, genre, tiens. Prends ça, toi. Mais pas des patates cuites, mais crues. Ah, mais crues, ok. Bon, alors, attendez, on va juste faire ça. Donne 6 de pain, c'est plus simple, sinon c'est une vingtaine de patates carottes, ok. Le problème, c'est que j'ai plus assez de quoi les faire. Enfin, j'ai plus de quoi les faire, justement. C'est pas grave, je vais prendre des patates crues, de toute façon... Je m'en fous, j'en ai plein dans le champ. Le champ, il est full. Du coup, je fais quoi? Juste leur drop dessus. Et ensuite, du coup, là, vu que là, il y a assez de lits, ils vont faire un gamin. Un gamin. carotte, oui, c'est pareil. Carotte, bah non, carotte, autant que je les garde, justement, pour faire le trade. Pas ouvrir les fences si je ne dis pas de bêtises, pas sûr. Du coup, de toute façon, je l'ai laissé ouverte la fence, mais peut-être, je sais pas du tout.
Ok, bah voilà, là du coup j'ai les deux stacks de. Là j'ai deux stacks de patates, donc logiquement je vais juste leur tester, je leur jette des patates et ils seront contents. Le bop-up du coup ils se reproduiront, ok. Je vais rien comprendre, je vais revenir demain sur la survie, il va y avoir 10 gamins qui vont être nés, ça va être un carnage. Après du coup comme ça j'aurais juste aménagé la pièce et juste à mettre du coup des échelles pour pas que pour pas qu'ils puissent pour pas qu'ils puissent monter, on sera bien. Tu j'ai des. Mais comme dirait Pepsou, et mets un bloc sur le compost, sinon ils vont le mettre dedans. Ah ok. Voilà mec. Ok donc là du coup je leur donne ça. Et ça. C'est bon ou pas? J'ai l'impression que ça a dû full bugger. Ah, ça monte aux échelles, merde. C'est bon là? Ok. Comment tu sais que c'est bon du coup? On va bientôt faire des cochonneries. Ok. Après, j'ai l'impression qu'il y a genre qu'un villageois qui ait pris les patates. Et pas l'autre, justement. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Bon, allez, je vais aller faire un dernier trade en attendant, du coup, de carottes. Et ensuite, on va se laisser là, les amis, du coup, pour le stream de ce soir. Ferme le champ de carottes en vrai. Je le ferme? Pourquoi je le ferme? Attends, je le ferme après. Il ferme à tout prix le chacal. Ouais, mais c'est ça. Mais du coup, ça marche quand même ou pas? Si le fermier. Même si c'est le fermier qui a tout pris. Et normalement ils se les donnent des fois. Des fois. Ouais mais c'est pas grave, le champ de patates c'est pour eux, tu sais, je m'en branle, enfin, ils font ce qu'ils veulent avec ça quoi. Normalement ils peuvent pas prendre plus d'un stack sur eux, ok. Comme j'ai donné deux stacks, moi comme ça c'est réglé. Là je vais juste faire du coup les échanges avec les carottes. Pour avoir full émeraude. Et comme ça, dès qu'on aura du coup un prochain leaf bending du coup sur le villageois, clairement on aura fait le trade et on sera tranquille. Comment ça moi ils font ce qu'ils veulent avec les carottes? C'est pas 8 stacks les PNJ? 8 stacks de quoi? De patates? D'inventaire. Ok. Ah oui, 8 places d'inventaire, ok. Ah putain, c'est 8 stacks, my bad. Ah non. Du coup, si le ref, il a tout pris. Mais attends, c'est pas grave. Au pire, attends, je vais redonner un stack de carottes à chacun. Et normalement, ça devrait être bon. Ah bah c'est bon, regardez, il y a le petit du coup qui a poussé. Bon, mais parfait. Nickel. Et lui, du coup, il fait sa vie tranquille. Master Dark 001, salut, 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 ça va, je vais bien. Compte jusqu'à 3 STP. 1, 2, 3. En tout cas, sois bienvenue sur le stream. Ok, on a pris 25 émeraudes, on est très très bien. Merci beaucoup pour le follow. Merci beaucoup pour le follow, Master Dark 001. Sois le bienvenu. Soyez les bienvenus, les amis. Merci beaucoup pour vos follow, les amis de ce soir. Merci beaucoup pour le sub de Flavinto. Merci beaucoup, les amis, pour votre venue. On va s'arrêter là de toute façon pour le stream de ce soir. Pour mon follow, il faut juste compter jusqu'à 3. Ok, stylé. On va s'arrêter là de toute façon du coup les amis pour le stream de ce soir. Pour les deux nouveaux justement qui viennent d'arriver, si jamais vous aimez bien le contenu ou autre, comme vous l'avez compris je fais beaucoup de Minecraft surtout sur du Vanilla. N'hésitez pas, il y a le Discord à rejoindre, vous avez juste à faire point d'exclamation Discord dans le chat et vous pouvez rejoindre le Discord. Et puis il y a un YouTube aussi également pour ceux qui veulent. Et d'ailleurs la rediffusion du coup de ce live là fera partie du coup de la série. Et du coup bah forcément ça sortira
sur la chaîne YouTube dès demain après-midi, demain vers 18h, un truc comme ça, je pense. On est bizarre, mais on est pas dangereux. Petit Grégoire. Waouh. Non. Alors, waouh. Tac, et je vais juste faire les trois vaches. Et on est bien ensuite. Voilà, donc en tout cas, soyez tous les bienvenus, les amis. Et merci à vous, en tout cas, pour votre venue. Sur le Twitch. Je vois ton Discord après. Ouais, pas de soucis, pas de soucis. Si tu veux, il y a le OnlyFans aussi. Ouais, j'avoue, tu fais slash OnlyFans. Enfin, point d'exclamation OnlyFans. Et j'ai aussi un OnlyFans, du coup. Merde, ça marche pas. Ok les amis, bon bah parfait, du coup on a fait des villageois, donc ça c'est cool. C'était, bon bah voilà, la mission aussi prioritaire un petit peu à faire. On a ramené du coup une deuxième vache, c'est stratégique aussi mais c'est important. Et du coup bah là on est en train de faire du coup l'enchantement aussi sur l'armure en diamant. Pour aller trouver dans le Nether cette foutue forteresse du Nether qui est introuvable. Et on prend beaucoup trop de dégâts, donc non, clairement je pensais bien. Ok les amis, allez, sur ce, prenez soin de vous, comme d'habitude, plein de gros bisous, et puis bah, écoutez les amis, à la prochaine. Allez, salut à tous, bisous bisous les amis. Ciao.